doigt jeté, une main serrée, un granit, et c'est parti! Exhibile tendrement tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte. On a Obi qui a sorti une nouvelle collection, ça s'appelle Friends, et ils nous ont envoyé deux énormes cartons qui pèsent très 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 lourd avec plein de fils. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est une surprise. Ils m'ont dit, c'est une surprise. Ouvrez-le devant vos petits abonnés. Mais écoutez, on va faire ça ensemble. Alors, cette nouvelle collection Friends, je crois qu'elle est composée de 4 ou 5 catégories différentes. Pas plus. On va voir. Allez, on va arrêter de blablater. On va ouvrir ça. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Là, à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas les liens. Ah, alors, sachez que les fils sont promis pour des gens dans le besoin. Déjà, j'ai des noms de personnes qui en ont besoin, vraiment besoin, parce que c'est leur métier et qui n'ont pas de fils pour travailler. Et donc, ce n'est pas des trucs qui vont finir sur mes étagères en disant « Oh, ma microchée, c'est comme Picsou, elle plonge dans des piscines de laine. » Non, c'est faux. voilà. Ouh, d'où Jésus. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, que c'est joli. D'accord. Oh, c'est trop chaud. Ah ben voilà, je vous montre, hein, voilà. C'est un petit mot de Julia qui est adorable. Oh, alors là, on a un fil qui est juste sublimissime. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous voyez un peu toutes ces couleurs, mais elles sont juste waouh. Vous connaissez mes couleurs préférées. Donc, vous savez très bien que ce rose, j'adore. Bon, moi, ça, je ne vais pas pouvoir le travailler. On est d'accord? Rien qu'à voir la grosseur. Sauf si je venais à le doubler. Ce n'est pas impossible, hein? Ce n'est pas une mauvaise idée. Doubler, et ça, vous savez que c'est mon habitude. Je mets un fil simple. Je rajoute un fil comme ça, tout smouche-mouche. Et ça, on peut faire des trucs sympas avec. Là, on va découvrir. Mais je vois déjà des couleurs. Rien que déjà, ces trois-là sont juste magnifiques. Celle-là, elle est sublime. Celle-là, j'adore. Ça, on arrête, on regarde. Allez, qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre un truc tout doux, mais vraiment très doux et très fin par contre. Ah oui, c'est très 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 fin. On est sur du 25 grammes 200 mètres, 72% mohair, 2% 25, pardon, excusez-moi. 25% de soie et 3% de laine. Si je vous dis que c'est pas doux, il n'y a personne qui va me croire. Voilà. Donc, on est sur un top qualité. Voilà. C'est un merveilleux fil. Il est vraiment très beau. Cette couleur est juste incroyable. Je sais à qui ça va partir. Je vous garantis qu'elle en fera très 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 bon usage et ça me fait très plaisir pour elle. Voilà, allez, bah écoutez, bien évidemment, vous aurez les liens de tous les fils dans la barre d'informations. Moi, là, je peux pas vous dire grand-chose. On voit que c'est du fil qui est très 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 fin, qui est vraiment très dufteux et qui est, à mon sens, un peu plus tricoteuse ou à doubler ou à tripler. C'est pas mal, ce serait intelligent de tripler. On met un peu de celui-là, un peu de celui-là et, par exemple, un peu de celui-là. On pourrait faire des mélanges comme ça. Les cakes, d'après vous, c'est fait comment? C'est mélangé? Ce serait possible. Allez, on passe au... On va aller voir ce qu'il y a dessous. Oh là là,
Quelle beauté, quelle beauté. Là, c'est du coton. Avez-vous vu les couleurs? C'est juste incroyable. Et à mon sens, c'est qu'une couche. Parce que apparemment, il y en a d'autres couches. J'ai Sophie qui est avec moi. Ma chérie, je crois qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour enlever les couches par couche. Ok, on pense qu'on a une solution. Merci ma chérie. Donc, là on est sur des couleurs, waouh. Il n'y a pas longtemps, Bernie, qui est une adorable petite abonnée, me disait ce serait sympa de faire des succulentes. Et je lui disais que j'avais pas assez de couleurs, mais je suppose que s'il y a ce camailleux de ton rose, tout ça, on va avoir les mêmes dans les tons verts et tout. Donc, waouh, c'est du coton, ça c'est du coton. Ça, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la Friends 8-4, on connaît la 8-4, mais apparemment c'est pas la même. Oh, j'adore cette couleur, oh mon Dieu, cet été, je vous dis pas les petits tops qu'on va se faire avec ça. C'est quoi ça? Mmh. 50 grammes, 60 mètres, c'est quasi. Ah, l'autre, elle est 60 et 170 mètres, elle est peut-être un petit peu plus fine. Mais c'est exactement pareil. Les couleurs sont juste magnifiques. Annie Gurimi, cet été, on va faire plein de trucs. Je suis épouse pâtée. Hein, elles sont belles. Hein. Ma chérie, on va passer d'un truc à l'autre et on va essayer d'aller voir dessous ce qu'il y a. On enlève la première couche, on met là et on revient vers vous pour la deuxième. On suppose qu'on en a plusieurs parce qu'il y a encore beaucoup de profondeur. Ah ben c'est bien comme ça, vous avez la quasi-totalité. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait encore une troisième couche. Ah oui, il y a une troisième couche, je confirme. D'accord. Donc, comme vous pouvez voyez les verts là. Ah non, ça sort pas vert. Ben, c'est des verts en fait, parce que là, ça fait comme si c'était bleu. Mais je vous jure que c'est des verts incroyables. Allez voir. Vraiment, c'est vraiment. Si vous aimez les amigurumi, si vous aimez les petits trucs à rayures, c'est trop beau. C'est trop beau. On transfère, on va voir ce qu'il y a dessous et je suis à vous. Alors, au fond, on avait toute la gamme des marrons et on avait celui-ci. C'est indescriptible, là. C'est avec du... C'est... Enfin... je vous laisse à découvrir ça. C'est le numéro... Ah oui, comme ça, vous allez le voir directement. C'est le numéro 58, on dirait du vieux rose avec, je sais pas, il est vraiment trop beau. Allez voir les vraies couleurs sur le site, le lien sera dans la barre d'infos. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre des jolies couleurs, il y a encore des choses. Allez, on va aller dans celle-ci. Hop. C'est lit de vin. Est-ce que ça lit devant la caméra? C'est lit devant la caméra, c'est parfait. Alors, c'est toujours la gamme Friends, donc on a dit que c'était Friends. Donc, il y avait deux, le coton et il y avait le fil avec la soie. Donc, on en a deux. La 3, je vois un truc dessous. On regardera si c'est Friends ou sinon. Oui, hein. Donc, on est dans la gamme Friends. On est sur de l'extra fine Merino. Super Watch Merino. On sait que le Super Watch est de la bonne qualité. Le fil est très doux. Très doux. La couleur, j'aime beaucoup. C'est original. Là, en ce moment, j'ai un délire, c'est de mélanger les couleurs. Vous l'avez vu, de toute façon. Mais je vois bien un truc mélanger des tons sur tons, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah, du 100% laine, bien évidemment. 100% mérino. 50 grammes, 165 mètres. Rapporté aux 100 grammes, nous sommes donc à 100 grammes, 330 mètres. C'est un fil qui est un petit peu fin, mais sans plus. On préconise 4,5. Ah là là, moi et ma main, je dirais, ça dépend.
Si on fait un truc ajouré, peut-être, mais si on fait un truc pas ajouré, peut-être plus fin. Il est très beau, il est très, 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 très doux. On regarde les couleurs un petit peu. Ben, c'est assez... c'est pas marqué. Voilà, je pense qu'il peut y en avoir pour tout le monde. Pour les enfants, c'est un très bon fil pour les enfants. Il y a des jolies roses pour les enfants, des bleus. On va... Ça, c'est pareil, on va le faire cadeau à quelqu'un qui en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc, on va le mettre dans le carton du cadeau, on a vraiment besoin. Allez, je vous laisse admirer et surtout, n'hésitez pas, on enlève la première couche et on revient. Oh, on va s'en sortir quand même. Alors, on est sur la deuxième couche de la... alors, ça, c'est, il paraît que c'est super mode. Ah oui, j'ai fait... le Hélène cet été avec et c'est vrai que tout le monde me parle de ce vert. Donc voilà, moi je trouve que ça fait vert sapin, mais ça passe bien. Donc voilà, alors ça c'est la deuxième couche des autres couleurs, toujours de la famille extra merino, trop trop douce. Vous voyez qu'on peut faire des mélanges, hein. Regardez-moi ça. Alors ça c'est ma couleur du moment, je suis fan de cette couleur renard là. Voilà, alors tout ça, c'est pour notre petite personne qu'on a besoin. Voilà, allez, on continue. Là, on passe sur des gros fils. Ah oui, non, c'est pas la collection Friends. On est sur Wheel of Alpaca, donc de l'alpaca. 80% polyacrylique. Et de l'alpaca, c'est un joli fil. Je connais un petit peu ce fil. C'est un joli fil qui est très doux pour faire les châles. Pardon, j'ai plus de voix. J'arrête pas de parler moi aussi. Pour faire les châles, c'est très 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 bien. Ça va faire plaisir à. Je vais l'envoyer à ma petite mamita pour nos petites mamies dans les EHPAD. Elles vont se régaler à faire des jolies choses. Comme je vous dis, ne croyez pas que je me baigne dans des piscines de trucs. Oh, il y a tellement de besoins de fils. Je sais, j'ai des messages de votre part me disant j'ai pas les moyens et tout. Je sais, je l'entends. J'ai la chance parce qu'on me les envoie, mais c'est avec mes propres moyens. Quand je commençais, ma pension n'excédait pas 4 chiffres. On était sur 3 chiffres, donc je sais très bien le prix d'Hélène. C'est pas à moi tout ça, c'est à... Donc tout ça repart immanquablement à des gens qui en ont besoin, comme tous ces fils-là vont partir aussi directement pour les EHPAD du 06, pour nos petites mamies du 06 qui font des choses pour les enfants. Et une fois que c'est fait, ça part en pouponnière. Donc vous voyez, c'est à ce moment-là que Julia me l'envoie pour que je vous le montre, vous appréciez. Parce que c'est trop beau. Et après, tout ça repart à des gens qu'on en a besoin. Est-ce que c'est pas un bon circuit? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? J'en ai aucune idée. Je vois Friends. Donc, c'est une collection Friends. J'adore les couleurs. Je vois rien qui me... Si les violets, j'ai un peu... Je sais pas trop les travailler. Les oranges, ça dépend du moment. Les violets, j'aime les travailler. Vous savez, quand on fait des granits et qu'on fait des granits genre indien, vous voyez, des trucs comme ça. Ouh, ça me donne une idée. Voilà. Ah, bien, encore dessous. Donc, là, qu'est-ce que nous avons? On a de la wool, ça veut dire 100% laine. Les couleurs sont juste... Regardez-moi ça. Regardez-moi. Un truc en camailleux. Est-ce que ça vous dit? Regardez. Voilà. Est-ce que là, on n'a pas un camailleux qui est magnifique? Il y a une écharpe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop joli. Bon, on enlève la première couche. Et attends. Oups, j'ai pas assez de mains. Hein, je vais devenir un poulpe, moi. Donc là, nous sommes
Oups, voilà. Sur la deuxième couche, on voit qu'il y a de très jolies couleurs pour faire de très jolis camaïeux. Encore une fois, une couleur que j'adore. Ça, j'aime bien cette couleur-là, le fameux vert que vous adorez tous en ce moment. Il y a de très, 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 très belles couleurs. Voilà. Donc, tous les liens sont en barre d'informations. N'hésitez pas à aller checker. Je sais que vous adorez Obi. C'est pour ça que je me permets de faire plusieurs vidéos de Obi. Julia m'envoie un nouveau fil là maintenant. Ça n'a pas de correspondance au niveau des dates parce que la date où je suis en train de filmer, la date où ça va sortir et la date où ça, je vais recevoir les fils et la date où vous aurez l'ouvrage, tout est très décalé de plusieurs semaines. Mais elle m'envoie un fil sublimissime que je ne connaissais pas encore, un nouveau fil. Je vais vous faire un ouvrage avec. Je pense que vous allez vous régaler. C'est un nouveau fil. Il n'est pas connu, donc voilà. Donc, on n'a pas fini de se régaler les yeux, les doigts et l'imagination et la créativité. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Sophie, hein, on est toujours là, voilà, parce que certaines pensent que je t'ai enterré au fond du jardin ou que tu crochettes pour moi au fond de la cave. Hein, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas que ce n'est pas le cas là, hein. La pauvre, la taquine. Bon, voilà, elle est là. On vous fait tous, avec Maurice et Mathilde qui ne parlent toujours pas, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite.